Tout le plaisir est pour nous de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, les travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont ouverts hier à Kinshasa, plus précisément à la cité de l'Union africaine, à des assises convoquées par le chef de l'État et président en exercice de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Patrick Michel Mukoy. Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Et c'est sous les applaudissements frénétiques de l'assistance qu'ils rejoignent ensuite le chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour démarrer les travaux de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une 21e session ordinaire qui tenait à s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté sous les commandes de son président en exercice et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a dans son discours de circonstance énuméré à l'attention de l'Assemblée quelques réalisations de la commission motivées par les orientations et décisions de la conférence qui est l'organe délibérant le plus important de la commission. Engagé à poursuivre les réformes au sein de la commission avec la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert les travaux de cette première conférence de sa présidence qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Cette 21e session ordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources et enfin la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Du déroulement de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les recommandations du Conseil de ministres de la CEAC après avoir observé une minute de silence en mémoire de feu Eduardo Santos, considéré comme le père fondateur de cette communauté. S'agissant de la situation politique et sécuritaire dans l'Est de la RDC, la commission a appelé la solidarité communautaire et a instruit la commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation immédiate des hostilités par le M23 et leur retrait des positions actuelles occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Pour sa première participation à une conférence de chefs d'État de la CEAC, Carlos Manuel Villanova, président de la République de São Tomé et Príncipe, a au nom de ses pairs participant à ce sommet, remercié le peuple congolais et son président pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Kinshasa. Le président en exercice de la CEAC et président de la République démocratique du Congo qui avait le dernier mot de cette 21e conférence a salué l'esprit constructif des participants, la volonté de partenaires ainsi que les sacrifices consentis par la commission de la CEAC. Les recommandations de ce sommet démontrent de la détermination à relever les défis de la sécurité et de la sous-alimentation dont la région a-t-il souligné avant de prononcer la formule de clôture. Ces travaux de Kinshasa auront tenu toutes leurs promesses et posé les bases de la première conférence maritime de la CEAC prévue en novembre prochain, toujours à Kinshasa. Oh,
marge de ce sommet de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ses homologues de la République centrafricaine, du Tchad et de la République de Sao Tomé et Principe. Des questions d'intérêt commun entre ces différents États étaient au centre de leurs échanges. On en parle avec Guylain Kabalundi. Des sourires et des chaudes poignées de main. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, ses homologues Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao Tomé et Principe et le président du Conseil militaire des transitions et président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Des échanges avec ces trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours en marge de ces assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Teodoro Nguema Obiang. Le vice-président équato-guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche dans la soirée, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait organisé un banquet de bienvenue à tous ses hôtes de marque. Et puis, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale a regroupé les pays membres, parmi lesquels la RDC, la formation et le développement des compétences et des organismes de prévoyance sociale de la zone CIPRES au cœur de ce séminaire régional de 5 jours, soit du 25 au 29 juillet 2022. Oscar Mbal pour les détails. RDC, qui assure la présidence tournante de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est à l'honneur avec l'organisation des conférences internationales et régionales sur son sol. Ce séminaire régional des responsables en charge de la formation et du développement des compétences des organismes des provinces sociales de la zone CIPRES vise à identifier les axes des renforcements et d'actualisation de la politique commune des formations de la zone. C'est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, qui a circonscrit les cadres de ces assises auxquelles prennent part les responsables au sommet de la CIPRES venus des différents pays. Dans la foulée, Marco Andrea Manalina, inspecteur de la CIPRES et représentant personnel du secrétaire exécutif. La formation et le développement des compétences se positionnent au cœur du métier de la sécurité sociale car la cohérence et la comptabilité de la fonction des ressources humaines en sont les ferments nécessaires pour son épanouissement et sa pérennité. Le présent séminaire s'inscrit tout naturellement dans la droite ligne des missions poursuivies par la CIPRES, entre autres celles d'appui-conseil et d'assistance aux organismes de prévoyance sociale des États membres. Il est question d'un partage d'expériences entre les pays membres sur le plan de la formation et du développement des compétences au regard des évolutions constantes du secteur de la sécurité sociale. Les personnes en charge des ressources humaines sont appelées à être formées pour faire face aux défis auxquels sont confrontés différents organismes en matière de prévention sociale. Un feu d'origine inconnue a embrasé les installations de la SCTP. Tour à tour, les ministres en charge du portefeuille et celui de l'économie ont fait la descente sur le lieu. Des enquêtes seront entreprises pour déterminer l'origine de cet incendie. C'est un des immeubles caractéristiques du boulevard du 30 juin. Il a abrité dans un passé récent des cabinets de ministères. Des secrétariats généraux au transport et à l'économie y sont encore logés à ce jour. L'immeuble de l'ex-ONATRA était en feu cette nuit. Des flammes qui s'échappent du 5e et du 6e étage de l'immeuble sous des regards impuissants de quelques anonymes. C'est le spectacle que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna a eu droit à l'aube de ce lundi. Visiblement affectée par cette perte, alors que des projets sont en cours pour la remise de la Société commerciale de transport et de port à son niveau,
Cet incendie qui a ravagé les bâtiments de la SCTP inquiète au plus haut point le numéro 1 du portefeuille qui est arrivé sur le lieu à 5h11. Avec sa volonté de restructurer profondément les entreprises, la princesse Adel Kaïnda Maïna regrette les dégâts considérables. Arrivé en urgence sur le lieu, le ministre AI de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, exprime son désarroi. On a perdu une archive sur l'identification nationale des entreprises, les archives du secrétariat général qui portent sur une série de questions, la question, le rapport avec le secteur privé, avec les pétroliers. Tout cela s'est envolé. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, parle de l'étendue des dégâts. L'incendie s'est déclaré au cinquième niveau, jusqu'à atteindre mes bureaux au rez-de-chaussée. Et plusieurs directions n'ont plus rien, rien du tout. Très affecté, le directeur général de la SCTP n'a pas caché sa tristesse. Naturellement, au regard de l'ampleur du feu, ça s'est complètement répandu sur toute l'aile régina du bâtiment. Déjà, il faut noter que les dégâts sont énormes. Le rez-de-chaussée s'est complètement calciné. Et une bonne partie des étages, cinquième étage, sixième étage, sont complètement calcinés. Un de sapeurs-pompiers a réagi. Il y a quand même un gros rayonnement thermique là-haut. Demain, il y aura encore de la fumée, demain. Parce que les débris, ils vont fumer tout doucement, quoi. Jusque vers les 17 heures passées, le feu n'était pas encore maîtrisé ici à l'immeuble de la Société commerciale de transport et des ports. En quoi les sapeurs-pompiers, qui visiblement sont déjà très fatigués d'avoir beaucoup travaillé, ce feu ne pourra être maîtrisé que jusque demain. Mais les premières enquêtes n'ont encore rien révélé. Plusieurs véhicules anti-incendie font leur entrée ici pour maîtriser le feu. Dans l'enceinte de l'immeuble de la SCTP, Eli Toumba, Angèle Mabiela Landou pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Et la population de Goma, dans le Nord Kivu, réclame le départ des forces militaires de l'ONU. La ville de Goma s'est réveillée dans une paralysie totale de ses activités. Dans plusieurs rues de la ville, on pourrait voir des pierres placées ci et là le long des artères, des barricades posées par les manifestants pour empêcher le passage des forces de la MONUSCO. Les détails dans ce reportage. Trouble le lundi 25 juillet à Goma. Des routes barricadées, des pneus brûlés devant les installations de la MONUSCO. Des scènes de pillage dans certains endroits où sont localisés les bureaux de la mission onusienne et autres dégâts de destruction ont caractérisé l'appel lancé par des structures non clairement identifiées pour manifester contre l'inaction supposée des forces onusiennes à l'est du pays. En dépit de la présence de la police à certains endroits, autour des installations de la MONUSCO, les jeunes non contrôlés ont emporté certains matériels de bureau et même les stocks servant des rations dans un entrepôt de la mission des casques bleus. Devant les quartiers généraux dits RVA, les agents de l'ordre ont été renforcés pour stopper le vandalisme. L'autorité urbaine a recouru à l'armée face à cette situation, d'où plusieurs coups de balles ont été entendus. Les routes barrées par des grosses pierres sur plusieurs axes n'ont pas facilité la circulation restée timide. Ces scènes ont été également observées à Butembo, Rutshuru, Nyamilima et ailleurs sur l'ensemble de la province. Et en réaction, le gouverneur militaire du Nord Kivu appelle la population à s'adresser plutôt au gouvernement. On écoute le lieutenant général Constant Dima. SCO était venu sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre, nous tous, par le porte-parole de la MONUSCO, ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que, entre autres, je viens de Goma, la situation est la même depuis ce matin. Nous venons aussi ensemble, nous allons gérer un peu la situation d'ici. Je crois que la solution sera toujours trouvée.
Toujours au sujet de la MONUSCO, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a précisé qu'il faut éviter tout acte d'attitude à créer de la méfiance dans le chef de nos compatriotes. C'était au cours du débriefing, avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katimbwe. Reportage. Mais nous avons répondu. Vous n'avez pas vu notre réponse. Nous avons répondu, c'est moi-même qui ai signé. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, tant mieux. Tant mieux, parce que ce sont des correspondances entre les institutions. Nous, nous avons répondu des mots. Lorsqu'il y a eu cette intervention maladroite, comme il a dit, sur RFI, je vais vous dire, tout le monde a réagi, en commençant par le président de la République. Vous tous, moi je n'étais pas ici, on a réagi. Et on a répondu, oui, il faut assurer la sécurité. Et je le dis à la télévision. La RDC ne cédera pas à toute tentative, à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la MONUSCO. Nous allons être toujours sévères. Nous sommes prêts, et je voudrais rassurer la communauté internationale, comme les affaires étrangères, que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la MONUSCO. Attendez de tout ce qu'il a comme bien, attendez de son personnel, attendez de ses unités militaires et tout. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter tout acte, je le dis à la télévision, tout acte, tout discours, toute attitude qui est de nature à créer de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes, qui se posent des questions, mais alors ça sert à quoi? Il faut éviter tout acte, toute attitude, toute parole qui peut jeter de l'opprobre sous nos voyants militaires. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Ce sont des hommes et des femmes de Congolais qui sont en guerre, qui se battent pour l'intérêt du pays. Nous avons donné la réponse. C'est très clair. En diplomatie, la première femme à être ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, il s'agit d'Isabelle Tchombé. Elle a remis ses lettres de créance au président français Emmanuel Macron. Reportage. C'est l'humilité d'abord. L'humilité d'être une si petite personne et de représenter un si grand pays. Beaucoup de reconnaissance pour cette patrie qui m'a tant donné et que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui. Vous voyez mon émotion parce que c'est un long cheminement, un travail parcouru d'embûches, mais on a la chance d'être béni et que toutes ces épreuves n'ont servi qu'à un seul but, d'être là pour servir encore, et qu'on n'a jamais terminé de servir son pays, et que ce pays a besoin effectivement qu'on le rende grand aux yeux du monde et qu'on lui redonne le respect. Ce pays a besoin que ses enfants l'aiment, que ses enfants le défendent et que ses enfants gardent la tête haute. Alors aujourd'hui, on a voulu passer à la France un message fort, un message d'un pays qui veut se reconstruire et d'un pays qui croit en lui, malgré ce qu'on en dit, d'un pays qui a une jeunesse pour la porter. Et donc, c'est ça que je voulais donner comme message, et surtout un message d'espoir, un message de confiance, un message de détermination. L'accompagnement de l'archevêque orthodoxe de Kinshasa dans le processus électoral à travers des prières, Denis Kadima, président de la centrale électorale, en a évoqué avec Monseigneur Théodosior Tchitchivi au cours d'une audience ce lundi 25 juillet au siège de la centrale électorale. Téti Samba, reportage.
Échange entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et l'archevêque orthodoxe de Kinshasa, Mgr Théodosios Tsitsivos. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, un processus qui préoccupe au plus haut point les responsables de la centrale électorale. Et l'archevêque orthodoxe s'est engagé à accompagner ce processus dans la prière. Le président était lui-même présent lors de mon intronisation comme archevêque de Kinshasa. Je suis dans l'obligation de venir aussi le voir, de lui remettre l'ascenseur parce que lui était venu lors de mon intronisation. Que je puisse le remercier de sa présence. Que je puisse aussi prier pour lui, lui souhaiter aussi des bonnes choses pour la charge qu'il assume. J'ai souhaité des bonnes choses au président. Il faut signaler que le président de la centrale électorale avait honoré de sa présence l'intronisation de l'archevêque orthodoxe de Kinshasa. Sensibiliser les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour la défense du territoire national. L'évaluation des actions du chef de l'État dans la province du Kasaï oriental, tel est l'objectif du séjour du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et autorité morale de Congo Espoir, José Mpanda Kabangu, à Mbujimayi. Regardez. C'est à 16h heure locale que se posait sur la piste de l'aéroport de Mbujimayi l'avion transportant le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabangu, qu'accompagnait son épouse, madame Jimmy Mpanda, celui qu'ils ont surnommé Mpanda Wamayi à cause de ses actions sociales à l'endroit de la population du Kasaï oriental, notamment la desserte en eau de forage par la fondation qui porte son nom, a été accueilli par une foule en liesse avec qui il a parcouru une longue distance à pied de l'aéroport de Bipemba jusqu'à la place de la Poste où il a tenu son meeting. Dans son adresse, José Mpanda a appelé la jeunesse kasaïenne à s'enrôler massivement dans les rangs des FARDC, à être vigilant face à l'agression dont la RDC est victime, mais aussi il est venu pour évaluer les réalisations des actions du chef de l'État à travers les actions initiées en faveur de la population. Message à Fumwali Tunga Andinao. J'étais venu autrefois comme Jean-Baptiste pour vous annoncer ce projet du président de la République en votre faveur. Je reviens aujourd'hui pour l'évaluation afin de lui faire rapport sur ce qui est accompli et ce qui ne l'est pas encore. L'autorité morale de Congo Espoir, membre du regroupement politique ADRP de l'Union Sacrée de la Nation, a prévu dans son agenda une rencontre avec les autorités locales pour suivre de près le projet Chilegelou, le projet volontariste Nkwadi et celui financé par le FPI. Revenons à Kinshasa pour parler de la problématique de la gestion des immondices dans la commune de Kalamou. Immondices sur l'avenue Kasavubu, tronçon allant de la station Bongolo jusqu'au rond-point Victoire. C'est une situation qui menace la vie des populations de la commune de Kalamou. Habitués à se prendre en charge par des initiatives privées pour curer et évacuer toutes ces ordures des caniveaux, cet élan a été stoppé et interdit par l'autorité municipale. Comme pour dire, on ne peut jamais aider l'État dans la réalisation des travaux publics. La population riveraine, victime de plusieurs maladies dues à cette insalubrité, ne sait plus à quel sens s'est voué. Place Oyo, tu vas au salon, mais... À un moment donné, tout ça a été parce que rigueur et l'équipe trône. D'une manière générale, la population a très peur le travaux des curages de caniveau elle-même, mais l'autorité municipale l'a interdit à entreprendre de telles initiatives au motif qu'on ne peut pas aider l'État. Bon, on va le battre, l'État va se arrêter. Au prince Kassavoubou, ils ont venu à mon ami. Je ne sais pas si les gens ont été sous lui. Là, si, ils ont été fan d'acte. Ces lieux sont invivables. La population se pose des questions si elle est obligée de vivre dans une telle insalubrité car l'évacuation volontaire des immondices est découragée par les agents communaux qui arrêtent de telles initiatives. Très sollicité pour son ambiance et gaieté légendaire, la municipalité de Kalamou au centre de la capitale, Kinshasa, mérite donc une attention particulière. Il n'y a pas mieux que ça.
En politique, le secrétaire général de l'UDPS était hier devant les militants pour fixer l'opinion publique sur les propos discourtois de l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Abonde. Reportage avec Alain Bikaï. C'est une mobilisation populaire des bases du parti de Tien Tshisekedi Mulumba de Rez-Mémoire. Toutes les figures emblématiques et membres de l'UDPS ont répondu massivement à l'appel de leur secrétaire général Augustin Kabuya pour manifester leur loyauté au chef de l'État et l'unité au sein du parti. Devant une assistance chauffée à blanc, le secrétaire général Augustin Kabuya a fixé les bases de son parti sur la réquisition du PGR à l'encontre de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunde et recadré les propos de ce dernier dans les médias périphériques avant d'appeler les filles et fils de l'UDPS de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023. J'étais de cet avis-là qu'on n'interpelle pas M. Kabunde. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit, comme il a témoigné contre le président de la République, il peut aider la justice, il peut aider nos juges pour qu'ils voient là où le président de la République a caché l'argent. Il l'a dit devant la presse. Et nous aussi, nous disons la même chose devant la presse. Qu'il aide la justice pour que cet argent retourne au pays. Rien n'a été mis à côté. L'amélioration de la vie des fonctionnaires de l'État et l'impact de la gratuité de l'enseignement étaient aussi évoqués par le numéro 1 du parti présidentiel. C'était aussi l'occasion pour lui de faire les comptes rendus des travaux de Kisantou à la base de son parti. Faute des convocations du Congrès, la Convention démocratique du parti sera convoquée à session pour adapter les statuts aux réalités du moment, a-t-il précisé. Présent à cette manifestation, Jacquemain Chabani, Victor Wakwenda et Toby Kayumbi Dirkaba au ministère des Travaux publics ont pris l'engagement de mobiliser les troupes pour les scrutins de 2023. Les réactions en rapport avec les propos de l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda, à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fusent de partout. Le président de l'ASBL, Banakin Godard Motemona, a, dans une déclaration, fustigé le comportement de ce dernier qui tente à déstabiliser les institutions du pays. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. C'est avec des mots concis et une riposte à la hauteur des propos malveillants de Jean-Marc Kabunda à Kabunda à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président de l'association sans but lucratif, Banakin Godard Motemona, a répondu à l'ancien président ad intérim de l'UDPS. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le président de l'ASBL, Banakin, a exprimé l'indignation de son association face à ses propos. Nous, Banakin, excédés par l'avalanche de propos injurieux, indigestes, dénués de tout fondement objectif, considérons que ces déclarations constituent à tous égards un outrage à l'institution présidente de la République, 2. Une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État. 3. Un déni des réalisations du président de la République et de son gouvernement. 4. Une usurpation de l'héritage idéologique du feu Étienne Tshisekedi Mulumba de Rez-Mémoire. L'outrage au chef de l'État s'avère une grave atteinte non seulement à la personne du président de la République, mais aussi envers le premier citoyen quinois. Godard Motemona encourage le président de l'Assemblée nationale à répondre favorablement à la demande de la Cour de cassation afin que Jean-Marc Kabunda soit déféré devant les instances judiciaires. Culture à présent, la 22e édition du Festival national de Gungo a bel et bien démarré le jeudi 21 juillet 2022 à Gungo. Les artistes traditionnels de plusieurs provinces de la RDC et ceux venus de l'étranger sont là pour rivaliser les talents. C'est le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundal Asang, qui a procédé à la cérémonie d'ouverture. Reportage Rodépanda.
Tradition et rendez-vous respectés, Paris gagné, la 22e édition du Festival National de Gungun, FESNAG, a ouvert ses portes le jeudi 22 juillet 2022 dans la cité de Gungun, son berceau, province du Kwilu. Les artistes festivaliers, bien requinqués, avec coiffure, costumes et maquillage, les spectacles restent déterminés à exprimer l'originalité de la tradition. Les premiers opérateurs culturels traditionnels du Kwilu, le gouverneur Willy Itundala, a honoré sa population de Gungun avec sa présence en venant personnellement lancer les activités du FESNAG. Je dois remercier les organisateurs, tous les participants de près ou de loin, tous ceux qui se sont donnés. La culture, ce sont des piliers du développement d'un peuple. Si les gens doivent encore reconnaître ces valeurs, ça signifie que ce sont des personnalités que nous devons exalter et que la population doit garder mémorable. La première journée était réservée aux allocutions des autorités, appuyées par la musique, chants et danses. L'administrateur du territoire de Gungun, Trésor Itambala, autorité locale qui a accueilli cette grande messe socioculturelle, a souhaité la bienvenue à tous, tout en soulignant combien la culture traditionnelle et les FESNAG, par-dessus tout, fait la fierté de son territoire et de la RDC tout entière. Le coordinateur du FESNAG, Célestin Fassomouchigo, superviseur de cette 22e édition, a, au nom de la présidente du FESNAG, Anne Gizengambouba, remercié les différents invités et participants, artistes festivaliers, personnalités politico-administratives et autorités traditionnelles, sans oublier de différentes délégations venues de pays amis, notamment dans le cadre du FESPAM et le feu de Brazza. C'est le caractère international et panafricain du FESNAG. Il a rappelé à l'intention des autorités provinciales et du gouvernement de la République de soutenir et financer les projets des opérateurs culturels patrimoniaux, seule manière de faire participer la culture traditionnelle dans l'émergence de communautés rurales. La caravane de groupes folkloriques est l'un des temps forts de cette première journée, y compris le Sénet et rites d'hiver. Et pour terminer, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a rétabli dans ses droits une famille qui a été l'objet d'un déguerpissement injuste. On en parle dans ce commentaire de David Mubenga. Le cri d'alarme de la famille Murumba, victime d'un déguerpissement de sa propriété suite à une prétendue décision de justice, a trouvé une oreille attentive du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Ne pouvant rester insensible à cette affaire, le numéro 1 de la ville de Kinshasa en a informé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Épris de sentiments de justice, le président de la République a aussitôt instruit le gouverneur, Jean-Tini Ngobila, afin de rétablir cette famille dans ses droits. On a été déguerpi de cette parcelle ici, à l'initiative de M. Jikai Kabuya, qui est greffier divisionnaire au TGI Gombe. On était opposé avec lui dans une affaire judiciaire. Alors, il a usé de sa position et de son influence pour pouvoir faire enregistrer la parcelle ici, qui appartient aux enfants mineurs. Il a fait enregistrer en mon nom pour procéder à la saisie, vente et mutation en son nom. C'est ce samedi 23 juillet 2022, soit 3 mois après le déguerpissement, que la famille Murumba a retrouvé la possession de sa parcelle située sur l'avenue Faradj, numéro 117, dans la commune de Kassavubu. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Nous avons été accompagnés techniquement à la réalisation par Patrick Bakula et Papi Vouélé, l'équipe technique Guilain Moukoko, Emile Zola, Alain Sodi. Ce journal coordonné par Jacques Abouaba, Mukumina Asedouga est complètement terminé. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Présent et demi, Bobo Anan à Mukunzi. Excellente journée. À toutes et à tous. Au revoir.